Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, mais juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et le petit pouce bleu. Je vous invite à tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose et bien sûr, bonne vidéo. Mais comme tu peux le voir, j'ai offert des cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un panneau ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à poser un petit pouce bleu et bien sûr tu dois mettre le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo Epic Games PS4 dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si tu as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était FinTechSB. Je te souhaite une bonne chance, c'est une bonne vidéo. Hey, bien salut tout le monde, c'est FinTechSB. J'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, j'ai vraiment super bien, comme vous avez vu au titre en miniature de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Comme vous avez vu au titre, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire plus de 200 000 XP en quelques minutes sur Fortnite. Et bien sûr, comme d'habitude, avant de commencer, on n'oublie pas de tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Cela me fait vraiment super plaisir. Première étape, ce que vous allez faire, vous allez rentrer dans le code de l'île et là vous allez rentrer exactement le même code de l'île qui sera affiché sur la vidéo, là où vous allez bien vous mettre en partie privée comme d'habitude et là vous allez directement lancer le jeu. Une fois arrivé sur la carte, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre exactement à la même endroit que moi juste devant pour changer de tenue et là vous allez commencer à faire la même emote, soit là n'importe où vous allez commencer à faire une emote pour changer de skin juste devant et là vous allez vous téléporter dans une pièce et là vous devez juste patienter 10 minutes. Une fois les 10 minutes écoulées, ce que vous allez faire, vous allez bien rentrer ce code là, 3, 1, 10. Une fois que ça s'est fait, là vous allez confirmer les Alt boutons. Et là normalement ça va faire secret débloqué. Là vous allez commencer à faire AFK XP. Une fois que ça s'est fait, normalement il y aura un bouton ici, secret Aira. Et là tout simplement vous allez venir, vous allez voir plein de palais. Premier état, vous allez bien rentrer à l'intérieur du château de la princesse, voilà juste ici. Là vous allez monter tout en haut. Juste ici, là il y a un petit bouton admin XP, vous allez enclencher le bouton. Vous allez voir, ça va vous mettre vraiment pas mal d'XP. Pour la deuxième étape, ce que vous allez faire, vous allez partir dans le deuxième château qui se trouve juste derrière vous. Là vous allez ouvrir la porte, là vous allez vous rendre juste en dessous des escaliers. Il y a un petit bouton encore admin XP. Une fois que ça c'est fait, vous allez retourner à l'intérieur du château qu'on vient de partir. Là, cette fois-ci, vous allez monter les escaliers. Il y aura un petit banc, là vous allez enclencher le bouton secret XP. Une fois que ça s'est fait, là vous allez monter tout en haut du château. Juste ici. Là il y aura un petit bouton secret XP. Là vous allez enclencher le bouton. Là comme on peut voir, ça vous donne vraiment énormément d'XP. Une fois que ça s'est fait, là vous allez partir dans le troisième château. Et là, il y a un petit bouton juste ici, secret XP. Là, vous allez interagir avec le bouton. Et une fois que ça s'est fait, normalement, vous allez partir encore dans le premier château qu'on a visité. Juste ici. Et là, il y aura plein de petits boutons. Un boost d'XP. Voilà, vous allez enclencher tous les boutons. Une fois que ça s'est fait, normalement, vous allez vous téléporter dans plein de trampolines. Et si vous voulez, vous pouvez rester tout en restant AFK afin de vous faire un maximum d'XP. C'était FinTechSB, en espérant vraiment que cette vidéo des glitches et d'XP sur Fortnite Battle Royale vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. C'était FinTechSB. Allez, ciao tout le monde.